Yop les gars et les filles, c'est Shado. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau défi sur la Obscure Clan. Cette fois-ci ce soir on vous propose un défi qui n'a je pense jamais été réalisé. En tout cas j'en ai jamais vu des comme celui-ci. Franchement il faut que, il s'appelle Crystal, voilà, pour avoir un défi de taré comme celui-ci. Franchement faut être cinglé. Tout simplement il se faisait chier sur Black Ops 3 et s'est dit écoute, on va se faire un petit défi, gagner une MME sûrement au C4. Voilà, tout simplement vous allez voir que dans toute la game, le groupe de 6 avec qui il était tout simplement va jouer uniquement au C4, hein. Vous pourrez voir la barre des filles, il n'y a que ça. Au niveau du chat, ça arrêtait pas de gueuler. Ouais, putain, on en aura mis une triple C4, etc. C'est ça, les gars, continuez et tout. Enfin, hyper motivé. Donc, je pense qu'il aura fallu quand même quelques tentatives avant de réussir. Je vous cache pas que les alliés, voilà, enfin, les ennemis qui étaient en face, ils étaient vraiment perchés. Voilà, faut vraiment avoir des ennemis perchés pour avoir, pour réussir ce genre de défi. Voilà, c'est sûr que un mec à la manoir, gros calibre, il va te mettre des headshots à tous les coups. Donc, il n'y a pas de souci. Mais enfin, bref, surtout, faut tomber aussi sur des ennemis qui n'ont pas gilet pare-balles parce que ça va être vraiment relou de mettre des gilets pare-balles. Peut-être il faut en mettre deux pour tout simplement que la personne, l'ennemi, meure. Voilà, donc ils vont bien sûr faire, je pense, du négatif, ça me paraît logique. Mais le but du défi, je vous le rappelle, c'était de gagner une MME, donc faire 100 kills au total uniquement avec le C4. Pour ce qui est de son spécialiste, il a mis tout simplement le spécialiste qui permet de se rapprocher des ennemis et de les inflammer, enfin de tout simplement les mettre en feu. Je sais plus comment il s'appelle, désolé, sincèrement, puisque ça fait un moment que j'ai pas touché à Black Ops 3. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est onde thermique, je suis vraiment sûr à rien du tout, vraiment pas 100% du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si c'est pas ça les gars. Bref, vous m'en voudrez pas pour ça. Donc voilà, la technique c'était assez simple. Voilà, il prenait pas la tête, il balançait son C4, il voyait si ça explosait sur un ennemi, puis direct il fonçait simplement dehors, aller se suicider pour reprendre un C4 au plus vite. Alors pourquoi faire cette technique, je ne sais pas du tout. Je crois qu'en plus quand tu te suicides ça compte pour un kill pour l'ennemi, je suis pas trop sûr. Si c'est pas le cas, bah justement en fait c'était le but, hein. Voilà, je pense que ça me paraît un peu plus logique que lorsque tu te suicides en fait ça compte pas pour un kill et du coup il peut récupérer un C4 sans mourir forcément par l'ennemi, du coup remporter plus facilement du coup la game. Voilà, c'était ça un petit peu la technique. Je pense que d'ailleurs le tout simplement celui qui va s'occuper du montage, donc Furox, parce qu'il me dépanne, tout simplement va découper un maximum le gameplay parce que ça va être un petit peu chiant à regarder. Mais voilà, je vous mets vous les abonnés de la Obscure Clan au défi de réaliser ça avec vos potes. Voilà, pourquoi pas nous tout simplement nous envoyer un petit screen, voilà, si vous avez réussi le défi ou pas sur le Twitter tout simplement. Voilà, tout est dans la description, vous connaissez les bons bails. Et puis voilà, ou à nous le dire en commentaire, voilà, si vous avez réussi la game, en combien de tentatives, etc., comment vous avez réussi, sur quelle map, etc. Voilà, ça peut vraiment nous intéresser les gars. Aussi si vous avez d'autres défis à nous proposer, n'hésitez pas sur Black Ops 3 du même joueur. Voilà, je pense que Crystal, ce gros cinglé, se fera un plaisir à vous en refaire. Bien sûr sa chaîne sera en description si vous êtes intéressé. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas, voilà les gars, à commenter. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Shado.